On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir fait quelques quêtes annexes et un peu la visite de la galaxie pour essayer de trouver encore d'autres quêtes annexes. Et donc, on va tout de suite faire les quêtes qui sont encore une fois annexes, j'aurais dit beaucoup annexes cette fois-ci, de la citadelle. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Donc, on va dans lesquelles l'Alliance. Ok pour l'amarrage, Normandie. Je m'en charge. Oui, commandant. Temps de chargement. Ok, donc là on va partir à la recherche des personnes. Je parle. Par ici. Ah, Miranda Lawson. C'est comme ça, voilà. Donc voyons voir Miranda Lawson. Commandant Shepard, ça fait bien trop longtemps. On vit à une époque intéressante. Un peu trop intéressante. Je ne pouvais pas m'approcher de vous tant que l'Alliance vous avait enfermé. Mise à pied. C'est compliqué. J'en suis sûre. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas envoyé en cours. L'Alliance n'est pas connue pour sa souplesse. Ça n'a plus d'importance. Shepard, à propos de la Terre... Des foules entières ont perdu la vie en quelques minutes. Les moissonneurs sont notre plus grande peur. Ils auraient dû vous écouter depuis longtemps. Je suis désolée, Shepard. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai quelques personnes à voir. Vous, entre autres. La citadelle est encore un bon lieu de rencontre. Pour le moment. Que compte faire l'Alliance ensuite? On a un plan. Mais c'est loin d'être gagné. Comme c'est étonnant. Shepard? J'ai une affaire personnelle dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Oriana depuis un moment. Je m'inquiète. Votre sœur? Oui. Je ne veux pas exagérer, mais... Il se passe beaucoup de choses. Je croyais qu'elle était en sécurité. Elle l'est. Ce n'est sûrement rien de grave, mais... Ça a un rapport avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'avais tout fait pour être sûre qu'elle soit en sécurité, mais je n'ai aucune nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est gentil, Shepard. Mais vous avez déjà... Si j'ai besoin d'enfoncer une porte ou deux... Ok. Je dois éclaircir tout ça. Je vous fais confiance. Vous n'auriez pas croisé l'homme trouble par hasard? Juste une fois. Il a dit... Mais il fallait qu'il maîtrise la situation. Qu'il maîtrise la situation? Ça a l'air radical. Ça a failli l'être. Il ne gère pas très bien le fait... Ça, c'est sûr. Pourquoi votre père aurait un rapport? J'ai toujours eu ma sœur à l'œil. J'ai eu beau la cacher. Je crois savoir ce qui s'est passé. Ça fait un bail? Je me cache. D'à peu près tout le monde. Je savais pas. Je savais que je ne pourrais pas quitter Cerf. J'imagine. Certes. Si vous cherchez une piste... Certainement. Quelqu'un me renseignera. Il faut que j'y retourne. Et moi? Il faut... Soyez prudente. Je promets rien. Miranda Lawson. Alors, c'est plus... Bon retour à la baie d'amarrage des 24, commandant Shepard. N'hésitez pas. Ok. D'accord. Alors, donc le journal, ça c'était une quête. Ouh, il y en a encore plein. Bienvenue, commandant Shepard. Ouh, ah oui, d'accord. Une destination. Les zones signalées. Un moment, s'il vous plaît. Ok, numéro 2. Donc là, on a plein de zones à découvrir. Ça va être bien. Nous arrivons à la baie d'amarrage E24, zone d'accueil d'urgence pour les civils. Vous ne pouvez pas renvoyer les gens. Si, nous pouvons. C'est à vos amis de dégager. Donc, on part à la découverte de cette zone. Vous ne pouvez pas renvoyer les gens. Si, nous pouvons. Dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'Amarage. Vous êtes sûr que vous pouvez pas loger quelques personnes de plus, officier? Mais pour qui vous vous prenez? Oh, commandant Shepard. Si vous pensez que c'est possible, je vais leur trouver de la place. Alors, ma famille peut s'amarrer? Le commandant Shepard dit que vous avez le feu vert. Dites-leur de se dépêcher. Merci, commandant.
Merci beaucoup. Ok, nice. On dirait Luigi. It's me, Luigi. Comment vous vous appelez déjà? Descartes. Christophe Levasseur. Mes frères et mes sœurs, nous avons déjà affronté et vaincu l'adversité. Bienvenue aux armes d'élite butarienne. Souvenez-vous des piliers de la force qui inspirent Veuillez notre espèce. Toutes les Montrez notre de résolution au reste de la galaxie. Eh bien, ça coûte cher. Je sais que votre foi est ténue. Notre gouvernement est tombé. Mais si les piliers de la force guident votre existence, je vous en prie. Accrochez-vous. Oui, vas-y, butarien. Alors, donc, là, on en est où exactement? Oh, on a peine la moitié, d'accord. Oh, ils vivent comme ça dans des box. Les pauvres. Je ne suis plus en disgrâce depuis un petit moment, quand même, hein. Faut arrêter de dire n'importe quoi, monsieur. Oh, bien, bien sûr. Voyons un peu ces stocks de Medigel. Oui, chef. Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'hôpital? Les chirurgiens sont tous occupés. Vous avez une copie de Livet Shepard? Certains blessés n'en ont plus pour longtemps. Ça l'inspirait de l'héroïne de guerre? On l'a verrouillé après qu'un gamin a renversé du soda sur le matos. Je vais Combien l'activer, de passagers? Mais on ne fait tourner que la version de démo. C'est tout. Ravi de vous rencontrer. Commandant Shepard, armée de l'Alliance. Trouvons-leur un peu de place. Ça va être leur chez-eux pour un bon bout de L'extranet temps, L'extranet indique que vous êtes un soldat de l'Alliance. Shepard. Qu'est-ce qui se passe? On a convaincu le Conseil d'accepter nos blessés. Comment ça se présente? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes? Nos unités de première ligne se font. Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez. Quelques-uns se remettront peut-être. Notre compassion. Aucun signe de votre... Pas encore. Et vous? J'ai l'impression. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager. La guerre est loin d'être... Ok, là normalement cette zone c'est fait, il y avait juste Agarus à parler, pour passer à la suivante. Hein. Vraiment du coup il n'y a pas encore de quête pour cette zone. Hein. Je sais quand même qu'il y a un bon paquet de quêtes sur la citadelle, hein. Une vingtaine si je ne m'abuse. Hein. Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. On va à l'ambassade de la citadelle, vu que je sais qu'il y a un Volus qui voulait un artefact protéen. Nous arrivons aux ambassades du pays. Si j'ai besoin de preuves, je ne peux pas me contenter de vous. Je comprends parfaitement la situation. Pitié, pitié. Vous avez de la famille portée. Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Le commando de mon fils est revenu de la mi. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en... Si je trouve quelque chose... Merci. Le primarque Victus... Dites-moi que vous avez retrouvé mon fils. Pas encore. Oui, toutes mes excuses. C'est une nouvelle quête, c'est ça? Ouais, c'est une nouvelle quête, hein. Besoin des piles de la force pour entrer. Et du bilan, ok. Merci. Je crois avoir retrouvé l'obélisque dont vous parliez dans les abysses Gritchek. Il vous attend quai D24. Vraiment? Merci, être humain. Si votre peuple était impliqué dans un quelconque projet secret,
Je suis sûr que cet obélisque serait utile. Encore merci, humain. Nos forces armées sont faites. Le même terme employé autrefois par le commandant Shepard. Ok. Arrête de dire que je suis en disgrâce, ça m'énerve. Changez un peu de dialogue par la merde. Rien ici. On fait tout le temps les tours. Hein. On voit jamais le... À ce point-là. L'ambiance est. Les gens se méfient et s'espionnent mutuellement. Ça va sans doute. En... Ouais. Oh. Commandant Shepard, Yondumbo des Spectres. J'ai des... C'est une grave accusation. Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneurs. Les butariens ont de la technologie. Leur aide de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont faim une panne pour d'ici. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en... Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance. On suspecte des Anari de s'être enfuis avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont... D'où vous tenez tout ça? J'ai payé un vendeur d'armes, un sale type nommé Donovan Hawk, le frère du capitaine Had. Mais les données valaient le coup. Vous voulez que je fasse quoi? L'agent Anari est maintenant un diplomate en poste sur la citadelle. Je n'ai pas son nom public et si... On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des Anari. Je vais voir ce que je peux dénicher. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissons. Bien sympa, le petit. Hein, le petit... j'ai oublié le nom de sa race, je crois que c'est un galarien. Shepard. Je sais plus exactement. Je dois partir. Je ne sais plus exactement. Butarien, galarien. Ouais, c'est un galarien, je crois. Nous sommes une spectre. Shepard, je lis les rapports de sécurité. Regardez les transferts en provenance de l'ambassade d'Anari. Voyons voir. Vous avez une idée de ce que... Des transferts suspects. L'utilisation de données hors du cadre diplomatique habituel. Donc, nous savons rien. Espérons qu'on saura quand on le verra, commandant. Ok. On a beaucoup, beaucoup de quêtes, hein. Ça, on peut pas dire qu'on en a pas. Alors, Udina 4, une console apparemment. Est-ce que la console serait Avina par exemple? Pour parler d'un ennemi putatif. L'Alliance a abandonné le secteur Hades Gamma face à l'avancée des forces des moissonneurs. Son unité est bien revenue. Je pourrais. Bon, j'ai des pistes possibles. J'ai repéré d'étranges transferts de fonds venant de Bologne, et Olun transmet de nombreuses données. Bologne est réglo. Ces transferts servent à entretenir sa maîtresse. Pour Olun, je ne sais pas. Je sors son dossier. Je vérifie les données personnelles d'Olun et je sors ses derniers messages. Et Bologne a une maîtresse? Une poétesse Asari. Pour être honnête, je crois que c'est pour améliorer les relations avec Tessia. Son gouvernement approuve sa liaison avec une poétesse Asari? Non, si ça se savait, elle devrait... Encore merci, humain. Nos forces armées sont faibles. Ok. Mais j'ai besoin de le même terme employé autrefois. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une des... Un moment, s'il vous plaît. Allons au purgatoire. Purgatoire. Je peux pas croire que tu aies fait ça. C'était des réfugiés. Merde,
sais que les gens se plaignent. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a par ici, mais... Laisse-moi finir. Si on en demande plus à notre réseau électrique, il sera coupé. Et on ne peut pas solliciter le réseau de secours. Non, non, non. Je te jure, j'ai vu son regard avant qu'il se carapate en travers de cette rue. Il disait... Attrapez-moi. Stylé. Ah. Vous avouez donc que vous et vos voyous êtes ici illégalement. Oui, et il n'aura fallu que 3 semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Certainement pas. Chirk, appelez-moi le conseiller Asari. Aria, que me vaut ce plaisir? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Je vois. Voilà qui est réglé. Il y a autre chose? Rien, merci. Au plaisir. Restons-en là. Alors, on s'amuse, je sais pas? On dirait qu'il y a une règle dans la citadelle, hein? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est d'un coincé. Alors que faites-vous ici? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste noire. Il va payer pour chaque seconde. Comment Cerberus vous a... Tromperie, distraction et une putain de grosse armée. Ils m'ont appâté loin d'Omega et m'ont prise en embuscade. Je me suis enfuie, mais Cerberus s'était déjà installé. Quand j'ai enfin pu lancer un assaut, ils étaient inébranlables. Au moins, vous pouvez continuer. Je vais reprendre Omega, mais je vais y venir. Si vous êtes là... Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, sur Omega, je contenais les berserkers, les soleils bleus et... Convainquez-les de m'obéir et vous aurez une armée... J'ai négocié avec les trois groupes. Vous n'avez plus qu'à conclure les accords. Donner un flingue à un criminel? Ils ont déjà des armes, Shepard. Je vais m'assurer. Je veux simplement vous aider. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des berserkers. Et j'ai déjà un accord avec Jonas Sederis, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami, le commandant Bailey. Bailey vous respecte. Je crois qu'une force de mercenaires professionnels. En attendant, je suis de bonne humeur. Regarde. À quoi vous pensez, Shepard? Quoi de neuf pour vous? Vous vous foutez de moi, quoi? Voyons voir. J'ai perdu Omega, le SSC observe. Autrement dit, je m'ai... Vous avez un plan pour vous en... Narl, vous êtes... Si vous voulez qu'on travaille ensemble, Shepard, vous devrez... Comment mettre les soleils? Leur chef. Je m'attendais à... Allez le voir. Je vous laisse juger. Et je suis censée convaincre... J'ai déjà demandé... Allez lui. Emmenez le dîner. Dites-lui des mots doux. Comment vous comptez reprendre? Je crois que je... Je vais arracher Omega des mains puantes. On se parlera plus tard. J'en suis sûr. The dance. Observe the dance. Des petites madame. Des humaines. Commandant Shepard, je crois pouvoir vous aider. La bannière du 1er régiment vous attend sur le quai D24. La bannière... Commandant Shepard, je vous dois un verre. Merci. Nous brandirons cette bannière fière lorsque nous reprendrons notre bataille. Hé, commandant, c'est bien de vous en canailler. Je m'en canaille quand je... Ah, moi je disais ça. Vous voyez ces Marines, là? Pas d'officiers. Eh? Pour la même raison qu'ils se sont arrêtés de parler quand vous êtes entrés. On dirait que je vous intimide pas le moins du monde. Vous méprenez pas. Parmi seulement? Et vous portez l'uniforme. Et c'est tout. Mais vous êtes une humaine. Et pas eux? Non. Je me souviens encore du jour où j'ai vu les vidéos. Comme... Mais pour eux, vous êtes plus qu'une icône. J'en ai vu des choses. Oui.
Écoutez, vous voulez qu'ils vous voient comme une... Peut-être. Payez-leur un verre. J'aime votre façon de... Compadres ! Je m'en occupe. À notre santé. Qui nous arrive à la cheville ? Très peu. Et ils sont tous... Je croyais que vous connaissiez ce toast. Merci du conseil. Merci pour le verre. Plus de réputation. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui ? Vous voulez vraiment pas me payer un verre ? Le mec, quoi, il veut qu'on lui paye des verres. J'y crois pas. Ok. On fait le tour. Ce sera certainement que ça la vidéo, hein, dès que la visite de la citadelle, etc. Excusez-moi, j'ai un peu... Ok. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez suivre votre destination. Bon, on va à la zone résidentielle. Nous arrivons à la zone résidentielle du Présidium. Okay. Vous voulez qu'on s'engage comme soldat ? Bienvenue chez Canala Export. L'armée a besoin de tout choix. Okay. Alors, j'achète tout. Atteindre la sérénité, c'est possible, même en période de trouble. Nous apprécions votre visite. Je crois que j'ai vidé tout le stock. Bienvenue, hein. Chez Canala, ouais. Export. Choisis Canala Export. On refuse aux réfugiés le minimum vital. Bienvenue chez Elkos Combine, fourniture militaire. Et Orion achète toujours des modes pour son flingue. Celui qu'il n'utilise jamais. Vous pourriez sauver des vies en aidant les médecins des camps de réfugiés. Merci. Qui c'était ? Le premier spectre humain. Quoi ? Le commandant Shepard ? Ouais, et c'est un bon conseil. Et si on se portait volontaire comme brancardier ? T'en penses quoi ? C'est bien mieux que de prendre un fusil pour me tirer une balle dans le pied. Ouais, ça c'est bien. Et je dis sur le terrain, même si je vous n'êtes pas fabriqué. Sur le point de rompre avec lui. Les choses n'allaient pas avant même qu'il parte au fond. Même si je prétends être heureuse sur les vidéos. Pas des idées financières ou matérielles, pas les médias. J'ai vu brûler Palavène. Les feux ne sont pas prêts de s'éteindre. Si vous pouviez aider. Messieurs, si vous voulez vendre vos parts et partir, très bien. Et je ne vendrai pas d'IV financière pendant que ma planète pourrait que cette colonie. Vous pensez partir ? Pour le sanctuaire. Désolé, je pensais devoir regarder la fiche. Serait la même que celle qui a attaqué ces planètes. Alors, qui a-t-il ici ? Rien de ce côté-là ? Ouais, rien. De l'autre côté, peut-être quelque chose. Ah, je vois Narl. La zone de Narl, d'accord. Le narwhal, lol. Vite, mettez vos mains dans le dos, ils seront bientôt ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? De Krit, le chef des berserkers. Arya lui offre le grand commandant Shepard. Il arrive, mettez vos mains dans le dos et... donnez l'impression que je vous ai battu. J'espère que ça en vaut la peine. Ah, Arya Tlok est encore plus forte que Krit le pensait. Ses instructions pour entrer... Pas lui. Grill est le second de Krit. Arya a un accord avec lui. Oui. Oui. Je suis la... De rien, Shepard. Grill et moi allons dire à Arya que la voie. D'accord. Ok. Je dis pas non, hein. C'est plus... C'est gratuit, hein. Ça... Ah, c'est tout en haut, d'accord. Je vois la console d'ici, pourquoi pas.
crois que je ne peux plus tenir le rythme. Tu vois ce que tu veux dire? Oui, vous nous avez préparé un peu. Ah, pour ce qui est fille. Ilium est attaqué. Bien que cette colonie à Sari soit à l'autre bout de la galaxie par rapport à Palaven et à la Terre. Lyra. Encore au travail? Je n'ai jamais fini. La dernière fois que j'ai vu le Présidium, ce n'était que des décombres après la terre. J'ai à peine eu le temps de voir le Présidium. Et dès qu'il a été réparé, une nouvelle... La citadelle n'a pas encore vu la réalité de cette guerre. On devrait faire le plein de ça. Comme quoi? Ezo, armes lourdes, groupe mercenaires. On aura tout ça. Prenez... je sais, mais il y a toujours... À ce propos, allez parler au Volus, Barlavon. Il vous dirigera vers des mercenaires. Ok, pourquoi pas. Merci pour l'info, Lyra. Bonjour, Shepard. On fouille. Il faut laisser Jake en garde. Il devrait se socialiser avec d'autres enfants. S'il y a une autre attaque, on ne peut pas passer nos vies à craindre cela. Nous sommes en pleine guerre. Je veux vraiment séparer chaque matin. Il faut laisser Jake en garde. Il devrait se socialiser avec d'autres enfants. Ok. Un marchand ici. Je les avais déjà, c'est pas grave, j'en rachète pas. Pour le meilleur matériel sur le marché, venez chez Kassa. Kassa et Sukasa. Tous nos articles bénéficient d'un transport spécial de période de conflit. Ah, idée, hein. Bonjour, Shepard. On dirait que tu rassembles. C'est une hypothèse, raison. Et quoi de neuf? L'inhumanité de l'homme envers son prochain? Je théorisais intérieurement. Je crois qu'il me voue un attachement affectif particulier. Shepard, vous qui avez de l'expérience en la matière... Comment arrivez-vous? En général, la personne montre qu'elle pense beaucoup à vous. À part pour les mises à jour matérielles, je n'ai aucun désir physique. Et si je le poussais à s'engager émotionnellement? Ça marche pas comme ça. Je vois. Il existe... Non, je veux dire, détendez-vous, trouvez un intérêt commun, un truc... Bien. Je vais me renseigner. Analyse en cours. Croyez-vous qu'il aimera l'homme qui s'est pendu? Cela raconte... Idéa, ce qui compte, c'est que vous vous amusiez, quel que soit le programme. L'issue est donc incalculable. Mais vous dites que je... Personne n'est jamais tombé amoureux sans prendre un petit... Je vois. J'ai remarqué un nombre démesuré de manifestations publiques d'affection à la citadelle. Hé, commandant, matez ça. Et aussi un gros. Ces gens sont vraiment à la masse. Quand de grandes crises se produisent... À vous entendre, c'est une... C'est toujours mieux que des émeutes. Pas faux. Mais ce serait bien d'avoir un juste milieu. Ça viendra, quand les gens... En attendant... Ils ignorent qu'une IA a franchi... Elle a causé des problèmes? Non, c'est mon méca d'aide à la mobilité. Grâce à mes hôtes verts, elle est autorisée. Pour une fois que mon invalidité peut me servir à quelque chose. Elle apprécie sûrement de sortir. Oh, elle a mérité. Lui, il est vraiment amoureux d'idée, hein. Bienvenue à la boutique de cadeaux de la cité. Bienvenue au râtelier de Nos Astra. Toutes les chasseresses licenciées peuvent bénéficier de notre remise pour les professionnels. Ok. Merci d'avoir choisi le râtelier de Nos Astra. Le conseil a nommé les envahisseurs moissonneurs. Je ne peux rien pour vous. Désolé. Mais votre patron m'a dit que vous pourriez me rembourser si je prenais rendez-vous. Écoutez, il va pas partir. Plus vite vous le rembourserez, plus vite vous rentrerez chez vous. Ouais, vous avez raison. Finissons-en. Bienvenue aux munitions d'Aegor. Voilà. Je vous ai fait un remboursement complet. Vraiment? Oui. C'est sérieux? Les munitions d'Aegor. Bien sûr que oui. Des occasions qui vous tombent dessus sans prévenir. Oui, félicitations. La totalité des 15 crédits. Tous les achats concernant les munitions d'Aegor seront signés. 15 crédits. Relevé de compte comme émanant de ma RL. Sérieux? 15 crédits. Bienvenue à l'armurerie Cypritine. On achète tout. Hein. Oui. Du matériel. Ça n'aura pas de problème. D'accord, donc là aussi c'est fait. Bien que cette colonie à Sari soit à l'autre bout de la galaxie par rapport à Palaven et à la Terre, la force. Ok. C'est un vrai problème. Il faut trouver un moyen de stabiliser le système de chauffage pour que la température de l'eau. Je vois qu'en effet, c'est très bien organisé. Ok.
On fouille quand même, hein. Il faut bien voir. Là, il parlait d'un Volus, il faut que je trouve ce Volus en même temps. Et voilà. Barlavon et une connaissance de l'amiral Anderson. J'admire le coup. Vous étiez un agent du courtier, non ? Je le suis toujours. Une de ses équipes de garde est isolée dans l'espace contrôlé par les moissonneurs. Secourez les gardes et ils seront à vous. Le courtier de l'ombre appuie totalement vos efforts contre les moissonneurs. Merci beaucoup pour la... N'attendez pas. Revenez me voir. Ok. Pourquoi pas. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, film. On va aller à l'hôpital. L'hôpital. Nous arrivons à l'hôpital mémorial de Huerta. Oui, je sais que... J'ai trouvé cette formule de Medigel et je me suis dit... Oh, tain, non. Commandant Shepard, quand j'ai su... Thane. Ma maladie tue lentement. Avec des... Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là ? Je viens voir une amie qui a été blessée. L'humaine brune en soins intensifs. C'est elle. Si elle est importante pour vous, alors je vous aiderai si je peux. Tant. J'apprécie. Ma vie tire à sa fin. C'est le syndrome de Khepra l'a balayé. Je suis de retour sur le Normandie pour... Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tel que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le... Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. Je suis en paix avec ce que j'ai fait. Ce n'est pas le vôtre. Mais... Vous savez combien de temps ? J'ai consulté plusieurs médecins. C'est fabuleux de ne plus avoir d'obligation. Ni responsabilité, ni peur. Ça fait très mal. Parfois, c'est une malformation des protéines de transfert. Résultat, mon sang charrie trop peu d'oxygène. Même en respirant à fond, j'ai des... Quant au cerveau, je ne me rends pas compte. J'ai des vertiges de temps en temps. Rotan. Je vous souhaite le meilleur. Moi aussi. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. C'est stupide d'appeler cet endroit mémorial de Huerta. Le président Huerta est mort d'une attaque il y a 2 ans, madame. Vous voulez dire... Ses ennemis politiques diffusaient déjà de la propagande pour faire changer le nom de l'hôpital 2 heures à peine. Avoir une IV qui contrôle votre corps, c'est pas la vie. Les zombies sont-ils vivants ? Non, vous n'avez pas dit ça. Mais c'est bien la même chose, non ? Bienvenue chez Sirta. Merci de votre visite. Bon, j'imagine que je suis entourée de zombies. Merci. Nous étions stationnés dans une petite ferme. On avait abattu quelques... Et tout était calme. Alors, est-ce que ça a changé ici ? Rebonjour, commandant. Comment va Ashley ? Stable. Un peu de repos sous observation et tout ira bien. Voir du monde ? Continuez comme ça. Vous aussi, commandant. Là, on va voir Ashley. Oui, j'essaie de contacter la Catherine Wilson. Ils ont des interfaces d'application. Non, rien à faire. Je vous ai entendu parler. L'Académie Grissom est détruite, mais j'ai trouvé ça là-bas. Qu'est-ce que... Oui, c'est adapté à la physiologie humaine. Mais avec quelques modifications, ça devrait fonctionner aussi pour les Asari. Écoutez, ces prototypes sont vitaux. On a besoin de ces implants biotiques pour combattre les moissonneurs. Vous pouvez remplacer ma jambe, hein ? Oui, mais le remplacement du tissu de clonage prend des mois. Il vous faudra une prothèse. Je vous recommande sérieusement de parler à un de nos psychiatres avant l'opération. Ok, donc là je peux rien y faire à ça, pas encore du moins. J'aimerais une réponse. La galaxie a plus que jamais... Je réfléchis encore, mais je vous... Je m'en réjouis. Shepard. Udina, j'ai eu votre email. De devenir un spectre ? Pas encore. C'est un... C'est une décision sérieuse. Tenez, c'est pour vous. Merci, c'est gentil. Comment ça va ? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passé. On n'a pas eu le temps de parler. Ouais. Je ne savais pas... Comment ça ? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres, je veux pouvoir compter sur vous. Et vice-versa. C'est le bordel dehors. Il faut se faire confiance ou ça marche. D'accord.
Attendez. Encore une chose. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Ça me rend con. Mais je sais que vous êtes occupé. J'ai un peu de temps. Alors c'est quoi cette histoire de... On dirait que la malédiction des Williams lâche prise. Vous avez bossé dur. J'en pensais autant. Jusqu'à Aiden. C'était les moissonneurs, Ash. Mais perdre toute l'unité... Pour l'instant, il faut... Je reviendrai. J'y compte bien. Ça passe. C'est vrai, c'est juste que j'en... Après tout, on dirait... Je dois y retourner. À vos ordres, commandant. Eh bien. Eh, commandant. Je fais que passer. Pas de soucis. Je dois y retourner. À vos ordres, commandant. Ok, pour ça. On va revoir les autres zones aussi. Alors, je regarde, il reste combien de 4. Ah non, ça c'est les côtés Exploiter River. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Non, ça ira. Nous n'aurons pas besoin de vos fournitures en fin de compte. Les renseignements non. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Est bien meilleure. Un moment, s'il vous plaît. On va quand même refaire un tour. À la baie d'amarrage. Bon, Olun met une pression folle pour que les Anaris. Un Anari inconnu fraîchement arrivé de KG. Je vais vérifier les fichiers d'arrivée des Anari. Bonne idée. Les nouveaux ne doivent pas être très nombreux. C'est une espèce légèrement xénophobe. Xénophobe ? Je peux choisir un terme plus poli. Réservé ? Isolationniste ? Vous présentez les choses de façon brutale. J'ai dit légèrement. Lyon est sur Terre. C'est une belle Lyon. Non, ça, je serais pas de dire, j'ai jamais été à Lyon. On prend notre temps, hein. Je vais essayer directement de faire tout ce qu'on avait sur la citadelle. Bienvenue aux armes d'élite butarienne. Enfin, du moins, le plus de choses possible. Hein. Et la nourriture. Eh bien. Je suis ici pour mes propres. Bien sûr. Enfin bref. À savoir. Un général turien nommé Oraka en a appris. Je confierai mon gang à Arya dès qu'Oraka sera mort. Et de quoi se plaint Oraka ? On effectue des tirs. Oraka, sa perte n'aura aucun effet. Vous pensez sérieusement ? Arya semble le croire. Elle sait ce que je demande. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous étiez au courant ? Darner Vosk. Je vois pas la différence. La différence, c'est que je... Soit. Vosk devait vous voir. Et puis, si j'avais repris cet enfoiré à me reluquer les seins. Ouais, il m'a dit. J'allais coucher avec lui. Il se fout. Il y a un moyen d'attaquer. Bien que cette colonie à Sarai soit à l'autre bout de la galaxie par rapport à... J'ai obtenu la liste de... Ah, ce sont des noms d'usage. Et les noms Anari du raid de l'Alliance sont des noms intimes. Les noms intimes des Anari sont secrets. Et il n'y a pas de traces publiques. Vous pouvez écouter leur communication. Ok, on trouvera peut-être ce qu'on cherche. On peut toujours espérer. Si un groupe de Anari s'oppose à la guerre, mes soupçons seront confirmés. Il n'y a rien que la galaxie ne puisse vaincre si nous travaillons tous ensemble. Ok, par moi ici, il n'y a rien d'autre. L'Alliance a abandonné le secteur Hades Gamma face à l'avancée des forces des moissonneurs. Ok. Non, je crois que c'était Garus, mais non, pas du tout. Hein. Bon, voici la correspondance. Si elle mentionne des noms intimes... Je l'ai. Une arrivée récente. Zimandis. Nom intime, compliment aux travaux des porte-flammes désespérés. Il était avec l'équipe de l'Alliance qui a massacré les butariens. Depuis, il est sur notre liste de recherche prioritaire. Il a donc acquis de la technologie de moissonneur. Ambassade.
pour en même temps voir Bailey. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Son unité est bien revenue. Je pourrais. Il m'ignore. Ils ne veulent même pas poser mon regard. Zimandis ? Ou devrais-je dire compliment aux travaux ? Celui-ci semble avoir été appréhendé, mais l'isolement est inutile. La tâche des portes... Pourquoi est-ce que vous voulez aider ? Nous avons obtenu des... Les portes-flammes, vous voulez dire ? Oui. Vous vous foutez de moi, c'est ça ? Et en tant... Espèce de... On dirait que l'endoctrinement a sérieusement affecté ces cas. Votre scepticisme importe peu, quand les... Vous êtes fou. On peut pas vous permettre. Vous croyez à la victoire, et je viens de... Bon sang ! Attendez, un virus serait détecté à moins d'être transmis par les can... Oubliez-moi ! Arrêtez l'envoi ! Vous l'avez stoppé. C'est fait. Les Anari sont saufs. Merci, Shepard. Il est mort ? Ok. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Vous êtes... Shepard. Je viens vous parler de la libération. Bon sang, vous aussi ? Quelqu'un a obtenu sa libération du conseil. C'est confidentiel. C'est plus poli que mêlez-vous. Pas question que je libère cette psychopathe. Cette femme est instable. Qu'est-ce qui vous fait dire que... C'était une sadique invétérée. Peut-être qu'elle est libre. Elle enrage nuit et jour, je sais pas. Non, la libérer lui permettra de tuer. J'aimerais la rencontrer pour... Entendu, vous verrez que je dis vrai. Après, allez au poste du SSC dans les secteurs. De là, mon assistant vous connectera. Ok. Eh bien, on se déplace beaucoup, hein. Voilà. Ça fera une longue vidéo, mais ce n'est pas grave. Donc ouais, je pense que pour les suivantes, je les ferai hors vidéo. C'est une perte de temps assez grande quand même. Hein. Enfin, je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, il n'y a pas vraiment d'action, quoi que ce soit. Hein. C'est calme. Hein. Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la zone résidentielle du Présidium. 4 Oraka, d'accord. On fait quand même le tour de cette zone vu que c'est la dernière. Tu sais comment tu vas t'y prendre ? Je ne sais pas. Un message écrit, c'est tellement distant. Les renseignements à Sari font état de signalement des forces des moissonneurs dans la nébuleuse. Rien par là. Tartiner autrement. Essayez la margarine de cloque de Maxime. Rien non plus par ici. Vous pensez que le sanctuaire n'existe pas ? C'est un vrai problème. Il faut trouver un moyen de stabiliser le système de chauffage pour que la température de l'eau demeure stable. L'emplacement de la colonie est loin d'être idéal pour notre espèce. D'après le conseil, bienvenue à l'armurerie de Cypritine. Merci d'avoir fait confiance à l'armurerie de Cypritine. Bienvenue à la bienvenue au râtelier. Merci de d'avoir choisi le râtelier de Nos Astra. J'ai parlé à de nombreux FBI. Bienvenue chez Cassandra. Ça,
ça. Figurez-vous qu'ils sont beaucoup plus agréables lorsque les gemelles ont le dos tourné. Ne l'oubliez pas. Il faut laisser Jake en garderie. Il devrait se socialiser avec d'autres enfants. Mais s'il y a une autre attaque. Commandant Shepard. Général Oraka. Oui, j'y nageais dans la... On dit que vous traquez les soldats. Je dois venir. Ces mercenaires mais... Il y a d'autres façons d'obtenir... J'ai essayé. Un trafiquant d'armes. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je... Laissez-moi voir ce que je peux faire. Votre aide est la bienvenue. Il faut laisser Jake. Commandant, à moins de trouver des armes pour le SSC, je vais devoir rassembler une force. J'aurai vos armes, général. J'apprécie vos efforts. Alors, attendez, sauvegarde, journal. Bonjour, Shepard. Ok, du coup, je sais pas où trouver les armes. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacements. Ça, je vous avoue que c'est un peu dérangeant. Connexion établie avec la cellule de Jonas Ederis. Vous pouvez lui parler via cette console. Merci. Laissez-nous seuls. Bien sûr. Quand vous aurez terminé, contactez le commandant Bailey sur la console. Mais qui m'espionne encore ? Ah, je vois. Très bien. La servante d'Aria arrive enfin pour ouvrir la cage de l'oiseau. J'aimerais vous parler avant que vous soyez libérée. Vous n'avez pas le choix. Et quand je sortirai, des têtes vont tomber. Vous avez tué beaucoup des miens. Je n'ai pas oublié. Passez à autre chose. Bien sûr. J'adore avoir la main. Même enfermé ici, vous devez m'avouer. C'est vrai, ça ? Oui, c'est... S'il en avait dans le slip, il me laisserait pourrir pour prendre le pouls. Maintenant, sortez-moi de là. Dites à Bailey. Bailey, j'ai vu Cédéris. Elle est folle, pas vrai? Ce serait stupide de la libérer. C'est une menace. Ça me va. Comment je peux faire? Je me demande si je vais pas faire une grande vidéo en fait là, une grande et longue vidéo surtout. Pour la recherche de tout ça, quoi. Il y aura un an 6, Canic. Canicula. Non, je dis. Écoutez, commandant, je ne veux pas d'ennui. Ce sont des armes légères. Merde, vous bossez aussi pour le SSC ? J'ai déjà été harcelé. Ouais, j'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. Alors vous proposez ? Quoi qu'il arrive, il y aura des survivants. Alors, je prends de l'avance. Mon meilleur matos ne part que contre... Et pour le meilleur de... Eh, le Turien a agité des crédits sous mon nez puis m'a craché dessus. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SSC, et avec plaisir. Ce sont mes conditions, sinon je garde mes armes. Les crédits ne m'intéressent pas, commandant. Le SSC veut mon meilleur matériel. Alors trouvez-moi deux artefacts. Ah, des artefacts, oh là là. D'accord. Comparons les artefacts, ce sera pour plus tard. 4 et ouais, ok.
Le conseil a nommé les envahisseurs moissonneurs. Le même terme employé autrefois par le commandant Shepard, aujourd'hui en disgrâce, pour parler d'un ennemi putatif. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Je sais pas. Elle est exactement, peut-être purgatoire, je suis pas sûr. Nous arrivons au niveau des secteurs, le purgatoire. Je déteste être coincé ici. Je déteste cette affectation. Je déteste tout là. Il n'y a rien à faire. Non. Je te jure, j'ai vu son regard en distance. Vous avez l'air loin ? Où sont les danseuses ? Alors, Ariette Locke aurait quelque chose à nous dire, peut-être ? Regardez, j'espère que ce n'est pas une visite de courtoisie. Vous avez encore... On se parlera plus tard. Donc apparemment, c'est pas pour elle. Je crois que je vais traîner ici un petit peu. Tu verras. Même pas de danse, sniff. C'est pas là qu'il fallait aller. Je ne sais point. Je vais juste refaire un. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage D24. Quelque chose ici peut-être. Lieutenant Cortez 3, d'accord. Le primarque Victus a convoqué un sommet de guerre des espèces conciliennes. Et selon la rumeur, il y a des... Je suis désolé, chérie. Je ne voulais pas que tu t'en fasses. Vous avez enfin quitté. Et j'en suis fier, même avec tout ce chaos. Seul et clopé. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver, c'est vous. Et je suis là aussi. Ce serait pas un croiseur de l'Alliance ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est le SSV London, hors service depuis des années. Regarde, des réfugiés ont dû le récupérer. Les gens trouvent des moyens. Et font ce qu'ils... C'était une bonne idée de venir ici, commandant. J'en avais besoin. Rien ici, je... Je sais pas comment avancer pour la quête annexe. Donc, je vais juste refaire un tour de chaque secteur et s'il n'y a aucune avancée, on s'arrêtera là. Bienvenue, commandant. Donc ce sera plus tard en fait. Un moment, s'il vous plaît. Désolé, hein, ça prend du temps sur ces quêtes là. C'est vraiment une mission annexe à mort. Il n'y a pas plus annexe. Alors, retirez quelque chose à me dire, Bailey. Faites-moi signe quand vous aurez parlé avec Cédéris. Je vais parler à Cédéris. Rien sur ma console de spectre. Hein. C'est quoi ça? Ok. En tout cas, apparemment, il n'y aurait rien ici non plus. Shepard. Rien non plus ici. Hm.
C'est bizarre. J'ai beaucoup beaucoup de quêtes annexes quand même. Hein. Ouais, ouais, j'ai tous les DLC tout, du coup il y a des quêtes de DLC, par exemple la quête de Raya, je vois que c'est un DLC. Hein. L'hôpital, on va regarder vite fait s'il y a un autre nom que celui que j'avais déjà vu. Ashley, Dr. Michel Tan, rien de nouveau. Purgatoire, non, c'est bon. Il reste plus que ça. Nous arrivons à la baie d'amarrage ah. 24, zone d'accueil d'urgence pour les civils. Ok, on fouille la zone. Bon, on va pas la fouiller totalement, bien sûr. Sane. Les gars, les anglais. On se détend, Sane. Oh, c'est mon idée, vous savez. Arya est venue pour obtenir l'aide d'Eclipse. Sane, vous devrez... Hein? Vous pouvez le faire. Laissez Cédéris moisir. Avec Arya, on prend du galon. Et pourquoi pas? Bon, d'accord. On fait comme ça. Brave homme. Ouais, celle-là est au trou. Alors, je regarde les quêtes qui me restent. Donc, ça, c'est pas tout de suite, ça non plus. Non plus, non plus, non plus. Docteur Brosson, si, Benning, c'est pas nous encore. Ok. La force d'invasion serait la même que celle qui a attaqué ces planètes. Donc là, si je ne m'abuse pour finir cette quête-là... Un conseil a annulé l'ordre de libération de Celeris. Il l'eût cru. C'est surtout l'œuvre d'Arya Tlok. C'est dingue. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Ok. Eh bien, nous allons arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. Dead the Stealth, pour jeudi bon HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Vive les jeux vidéo.